Hola, Casio, Oñe Torri. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de B2A, From Business to Audience, de la mano de las oficinas Europa Creativa Media Euskal Herria y Media Cataluña. La Berlinale empezará el próximo 10 de febrero con la película inaugural Peter von Kant, una revisitación libre de Fassbinder realizada por el cineasta Franz Zon. Ainhoa González, a cargo de Medios Calerria y a mí, nos ha parecido muy oportuno aprovechar el reciente estreno de Todo Edo Bien con Sophie Marceau y André Boussolier para entrevistar a François Zon de la mano de su distribuidora de cabecera en España, Golem, a la que Media ha apoyado en infinidad de títulos, bien en la modalidad de esquema selectivo, bien en la modalidad de distribución automática, y que incluyen prácticamente toda la filmografía de François Zon. Conozcamos a François Zon y sus películas Media. Bajo la arena, coproducción entre Bélgica, Francia, Italia y Japón en el 2001. La piscina, con Charles Rampling, en el 2002. Ocho mujeres, un gran musical, también del 2002. El tiempo que queda, en el 2005. Ángel, una película histórica, coproducción entre Reino Unido, Bélgica y Francia en el 2006. Ricky, con nuestro actor Sergi López, en el 2008. Mi refugio, coproducción entre Francia e Italia en el 2009. Potiche con la gran Catherine Deneuve, coproducción entre Francia y Bélgica en el 2010, En la Casa, premiada en el Festival de Donosti en el 2012, Joven y Bonita en el 2013, Una nueva amiga del 2014, Franz, una coproducción entre Francia y Alemania en el 2016, El amante doble en el 2017, una coproducción entre Francia y Bélgica, Gracias a Dios en el 2019, Verano del 85 del 2020, y finalmente todo ha ido bien. Ahora en el 2021 pudimos charlar con François Zon sobre todo ha ido bien y también sobre el programa Media. Hola. ¿Qué? Quand À son réveil, papa pouvait plus se lever et il avait tout le côté droit paralysé. Mmh, Votre père risque de ne plus pouvoir parler, ni s'alimenter. Je vais que tu dans, Tu m'entends Je vais rien faire sans toi, sans ton accord, rien. De toute façon, c'est à toi qui l'a demandé. C'est un mauvais père. Mais je l'aime. J'aurais adoré l'avoir comme amie. Alors aide-le. Comme une amie. En France, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait j'irai en contact avec une association suisse, mais euh, il faudrait aller là-bas. Très bien. Ça se passera où À Berne. Il faudra me donner une dose forte. Depuis mon pontage, j'ai le cœur très solide. Ah j'ai que mon fils préféré. Ah, ah, ah. Les filles, je suis très choquée. André nous ça a expliquer qu'il pouvait plus changer d'avis. Quoi mais si. Papa, regarde-nous dans les yeux. Tu tellement vilaine, enfant. On pourrait choisir la date. Pourquoi pas en mars C'est la semaine de mon anniversaire. Oh. Je veux presque plus bouger. Plus faire les gestes simples de la vie normale. Maman, pourquoi est-ce que tu as jamais quitté papa avec tout ce qu'il t'a fait subir Qu'est-ce que ça fait du bien? Ouais, mais t'es toute frigorifiée Oh, je me sens vivante! Tu te rends compte? ce qu'on est en train de faire pour lui, là. Oh. On est pleureuses. Et si vous refusiez, que se passerait-il? Creo que film, loin de polémiser, un thème à est une célébration de la vie et l'amour Pour moi, ce qui était important, ce n'était pas de faire un film sur l'euthanasie, mais de faire un film sur la vie. Euh, et le, le paradoxe de cette histoire, c'est que c'est l'histoire d'un homme qui aime tellement la vie qu'il veut mourir. Euh, c'est ça qui m'a touché dans cette histoire. Et ce que j'ai aimé, c'est que le personnage d'André... Il veut mourir et euh, il n'est pas une victime. Enfin, bien sûr, il est une victime euh, de l'AVC, mais en même temps, il prend son destin en main, il fait un choix et il veut aller au bout de son idée. Et ce qui était intéressant dans cette histoire, c'était la confrontation avec la famille, avec les enfants, et qu'est-ce que ça représente pour les enfants d'avoir un père comme ça qui, qui, qui a ce désir aussi fort et qui est pas particulièrement sympathique. Moi, c'est ça que j'aimais. Il est assez noir, il est assez sombre, il a beaucoup d'humour. Euh, il a quelque chose d'un peu espagnol, d'ailleurs, je trouve, par rapport à l'idée de la mort, qu'ont pas forcément les Français. D'ailleurs, à un moment, on parle de Buñuel dans le film. Et, euh, et moi, c'est ça que j'ai aimé dans cette histoire. C'est que finalement, ce n'était pas un film sur la mort, mais un film sur la vie, qui célèbre la vie pa paradoxalement. Comment de difficile fut adapter la histoire de «Todo y Do bien à partir de la histoire réelle d'un quelqu'un tan cercano à vous, comme c'est le cas de la malograda Emmanuel Bernheim, guionista en Bernheim, guionniste dans ses films Ricky, Bajo la Arena ou La Piscina alors l'histoire avec Emmanuel, c'est une très longue histoire puisqu'on s'est rencontrés au moment où j'ai fait sous le sable avec Charles Trampling. Elle m'a aidé à écrire le scénario, notamment toute la seconde partie euh, euh, du film. Et après ça, on est devenus amis. Donc on a collaboré à nouveau sur d'autres films, dont Swimming Pool. Et, euh, et quand son livre est sorti, euh, quelques années après la mort de, de son père, elle m'a envoyé le livre. Elle m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de l'adapter Parce qu'il y avait plein de réalisateurs français qui voulaient l'adapter. Et elle, elle, elle voulait que ce soit moi. Et j'ai lu le livre que j'ai trouvé très beau, mais c'était une histoire tellement personnelle, intime, que je voyais pas comment me l'approprier. Je me disais, mais quelle est ma place, moi, dans cette histoire? Donc, euh, je lui ai dit, écoute, je suis sûr que ça va être un très bon film. Et puis, j'avais peur. J'avais peur du sujet. L'euthanasie, euh, voilà, j'avais pas envie de penser à ça, en fait, à ce moment-là de ma vie. Et donc, je lui ai dit, écoute, euh, j'ai pas envie de le faire pour l'instant, peut-être un jour. Et donc, d'autres réalisateurs français s'y sont intéressés, dont euh, Alain Cavalier. Euh, qui voulait en faire une adaptation. Et hélas, Emmanuel a eu un cancer foudroyant et elle est morte en 2017. Et, euh, et sa mort a été un choc pour tout le monde. Et après sa mort, j'ai eu envie de relire le livre pour, euh, pour la retrouver d'une certaine manière. Et en relisant le livre, j'ai lu le livre avec une autre optique que la première fois, c'est-à-dire que le fait de savoir qu'Emmanuel était morte. Ça a changé complètement le regard sur cette histoire et je me dis, je me suis dit quel impact ça a dû avoir sur sa vie, voilà. Et c'est ça ce que raconte le film, ça, ça raconte que euh, les enfants ne sortent pas indemnes d'une telle situation quand c'est à eux de porter la mort de, de, de leurs parents. Et, euh, et du coup là j'ai eu envie, euh, et peut-être aussi parce que je suis beaucoup plus vieux, euh, voilà, la maturité fait que peut-être je m'approche <laughs> moi aussi de la fin. Donc je me suis dit peut-être que je, là à ce moment-là je suis prêt à, à faire l'adaptation. Depuis ses inicios, siempre a toujours eu le meilleur femenino féminin possible. Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Fanny Ardant, Hannah Shigula, Isabella Gianni, entre muchas otras. Et maintenant, Sophie Marceau. Comment fut travailler avec Sophie Marceau pour pouvoir plasmar quelqu'un aussi cercane à vous comme Emmanuel Bernheim euh, C'est vrai que Sophie Marceau ne ressemble pas du tout à Emmanuel Bernheim physiquement, mais néanmoins, elles ont la même énergie, la même vitalité et... Euh, Sophie a le côté un peu garçon manqué aussi qu'avait euh, Emmanuel Bernheim, très sportive, euh, très concrète. C'est pas une intellectuelle, c'est quelqu'un qui voilà qui est, euh, qui, qui, qui est dans l'action, le, dans, le, dans, dans le physique. Et donc, j'avais l'intuition que ça marcherait. Et puis, pour moi, c'était important d'avoir une actrice comme Sophie Marceau, qui est très populaire en France, et pour rentrer dans cette histoire. Comme le sujet est difficile, je me disais, le fait d'avoir une actrice comme Sophie, que tous les Français aiment, parce que c'est l'actrice préférée des Français, euh, les gens allaient rentrer plus facilement dans l'histoire et mieux l'accepter et la comprendre. Le droit à mourir dignement devrait être un droit pour tout le monde moi, ce qui m'a choqué dans cette histoire, quand j'ai fait une enquête et que j'ai vu comment ça se passait en France, je me suis rendu compte que bon, déjà, c'était illégal comme en Espagne. Bon, on est deux pays très catholiques, donc la religion catholique est très présente et empêche euh, qu'il y ait euh, une ouverture d'esprit là dessus, je pense. Et, euh, et ce qui m'a particulièrement choqué, c'est que je me suis rendu compte que des personnes pouvaient le faire si on avait de l'argent. Donc, il y avait une injustice économique en plus. Donc, à partir du moment où les choses peuvent se faire, il n'y a que les gens riches qui y ont accès il faudrait que la loi permette que ce soit accessible à tout le monde et que ce soit très encadré. Après, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Il faut que ce soit euh, intégré dans un protocole médical très strict. Et je... Mais en fait, quand vous discutez avec les médecins, vous vous rendez compte qu'il y a très peu de gens qui veulent mourir. Euh, tout le monde s'accroche à la vie jusqu'à la fin. Il y a peut-être 10% des gens qui vont jusqu'au bout. Donc finalement, quand on regarde les pays qui ont accepté, qui ont légalisé l'euthanasie, il n'y a pas plus. Il n'y a pas un surplus. De mort sous forme de suicide assisté. Donc, euh, donc oui, j'espère que les choses vont changer en France et dans, et dans les autres pays. Mais bon, je pense que c'est un long chemin encore. Le preguntamos pour trois de ses collaborateurs habituels en céphalmographie. La première, Charlotte Rampling. Charlotte, c'est une actrice que j'ai découvert aussi au moment de Sous le Sable. Euh, le film que j'ai écrit avec Emmanuel Bernheim et d'ailleurs si euh, Charlotte a accepté de jouer dans tous ces bien passés alors que c'était un tout petit rôle c'était par rapport à notre histoire avec Emmanuel Bernheim et par rapport à sous le sable parce qu'au début elle m'a dit c'est quand même un peu petit et puis après elle m'a dit bon je le fais parce que c'est Emmanuel et parce que c'est toi donc ça c'était très bien et euh, euh, Charlotte bah c'est devenu aussi une amie avec le temps on se retrouve régulièrement et euh, ce que j'ai découvert avec Jean Trampling au moment de sous le sable c'est que c'était une actrice qui n'avait pas besoin de surjouer. voilà, Il se passait des choses intérieurement, euh, il suffisait juste de la regarder pour, pour imaginer, pour faire fiction. Et ça, c'est ce que j'ai toujours trouvé intéressant avec elle en tant qu'actrice. El segundo, le compositeur, Philippe Rombi. Philippe Rombi, bah, c'est un musicien avec qui j'ai commencé à travailler, je crois, pour Les Amants Criminels. On se retrouve régulièrement euh, là. Il n'est pas sur euh, « Tout s'est bien passés, ni sur le prochain, mais pour un prochain film, on va se retrouver. Et c'est un musicien que, que j'aime beaucoup parce qu'il est très sensible. Il a le sens de la mélodie et ça, c'est quelque chose d'assez rare. Et, euh, et c'est quelqu'un qui, euh, qui n'a pas d'ego, qui ne dit pas euh, « je te donne la musique et tu ne changes rien ». Non, il adapte tout le temps, on peut discuter avec lui, on peut parler instrument, on peut parler mélodie. Et donc, c'est un travail très constructif. Et le troisième, son distributeur de cabecera en Espagne. Golem. Ah, Golem. Alors Golem, bah oui, c'est mon distributeur depuis plusieurs années, euh, je m'entends très bien avec eux, à chaque fois ils soutiennent bien mes films et ils les travaillent bien. Euh, donc je suis très content de continuer avec eux, et j'espère que ça va continuer. Media Poya festivales con programación europea. ¿Cuál ha sido el rol de los festivales en su carrera? ¿Alguna película determinante para alcanzar un mayor número de público Je crois que finalement euh, en tout cas, je pense que c'est pas avec mes films à Cannes que j'ai eu le plus de succès. Euh, le film qui a eu le plus de succès, c'est Huit femmes. Il n'était pas à Cannes, il était à Berlin. Euh, dans la maison aussi était un très gros succès et c'était euh, à saint Sébastien. Donc euh, voilà, j'ai eu la chance d'être sélectionné dans tous ces festivals. À chaque fois, c'est un plaisir. Et euh, après, je pense que c'est toujours plus compliqué pour les films français quand ils sont à Cannes. Voilà. Mais en même temps. Euh, euh, un film comme Swimming Pool ou Jeune Géolie ont très bien marché euh, après Cannes. Et c'est vrai que les festivals permettent après de toucher un très large public et beaucoup de pays en même temps. Donc c'est toujours une chance de pouvoir y participer. Toutes ses películas ont circulé pour l'Europe de la mano de, la distribution de la Media Distribución. Et en Espagne, avec Golem, comme nous l'avons dit. Díganos, estreno en salas ou en plateformes pour moi, c'est très important de soutenir la salle aujourd'hui, et je continue à faire des films pour le cinéma. Et, euh, et je trouve que ce qui est très compliqué, c'est de voir des grands cinéastes comme Martin Scorsese, Jane Campion, euh, voilà, qui acceptent de travailler pour les plateformes. Et ça, je pense que ça fait beaucoup de mal au cinéma d'auteur et au cinéma d'auteur européen. Euh, alors, je comprends qu'ils aient des difficultés à faire leurs films dans leur pays, mais euh, moi, il me semble qu'il faut continuer à faire des films pour le cinéma. Et, et pour l'instant, les plateformes c'est un peu vendre son âme au diable. Hein, parce que si les gens ne vont plus au cinéma, ne vont plus dans la salle, voilà, les gens vont regarder les films sur les téléphones. Et moi, j'aime l'expérience de la salle et de partager le, public avec, euh, le film avec le public. Le programme média a clairement ses objectifs sur l'industrie, la circulation et la promotion des œuvres européennes. cree que c'est un conseguido oui, le, le programme Média est très important pour le cinéma d'auteur en Europe. Et c'est vrai qu'en France, le, le cinéma est considéré comme un art. Et il y a beaucoup de soutien. Et euh, on espère que le. le... Mais le système euh, euh, de soutien en France est viable aussi économiquement. Euh, ça crée des richesses. C'est pas. Euh, c'est pas juste de l'argent qu'on donne aux artistes, c'est vraiment euh, un argent qui permet à des films de se faire et à faire en sorte qu'il y ait une vraie économie et une industrie du cinéma. Parce qu'on a eu un ministre de la Culture qui était très important sous, sous De Gaulle, euh, qui s'appelait Malraux et qui disait le cinéma c'est un art et une industrie. Et je pense qu'en France, on marche sur les deux jambes. Et ce qui est dommage, c'est que dans d'autres pays européens, on sent qu'il y a un abandon. De l'aspect artistique, on n'est que dans un aspect industriel, et du coup, euh, le programme média peut être utile justement pour soutenir euh, certains cinémas européens et euh, faire en sorte que euh, les films européens circulent. en Je pense que le cinéma européen, euh, voilà, est représentatif des pays. Donc il y a une culture qu'on qui, qui, qu peut découvrir à travers le cinéma européen et, et, et l'Europe, c'est plein de pays différents. Euh, voilà, pour, pour les Américains, pour d'autres continents, l'Europe c'est un grand, euh, c'est un seul continent, mais en fait non, il y a tellement de cultures différentes. Un film de Almodovar, un film de Bergman, un film de, de Nanni Moretti, euh, voilà, et c'est très très différent. Donc à chaque fois ils sont représentatifs de leur propre pays. Donc euh, la richesse du cinéma européen, je pense qu'il faut, faut la soutenir, et, euh, et euh, nous on a la chance en France de voir beaucoup de films européens et voir d'autres films. Que, que, que les films français et les films américains. le développement. Quelle importance donne t vous au développement de vos projets avant d'entrer en production Une question particulière. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai la chance d'avoir des producteurs qui me soutiennent. J'ai la chance de faire des films qui ne sont pas trop chers. Donc souvent, je lance la production alors que le scénario n'est pas complètement terminé. Voilà, mais je ne suis pas représentatif. Voilà. C'est ma manière de travailler. Esque Casco, muchas gracias. Merci beaucoup, Monsieur Ozon. Todo nos ha ido bien con usted. Le deseamos mucho éxito en la Berlinale y os invitamos a las salas de cine para ver todo ha ido bien. En nombre de Ainhoa González de Medio Herria, y el de nuestra oficina queremos agradecer a todo el equipo de Golem que hizo posible este encuentro y a Mathilde Arganje por su amable traducción. Esque Casco, gracias.